Salut tout le monde, donc aujourd'hui samedi 2 mai, donc on va terminer la semaine. Donc aujourd'hui on va vous proposer une course à pied, d'accord? Donc 5 km de course à pied, ou si vous avez un rameur, vous pouvez aussi partir sur 6000 mètres de rowe. Alors l'objectif là, ça va pas être de courir constamment, c'est-à-dire qu'à partir de 0 minute, donc avant de démarrer sur la course à pied, et toutes les 3 minutes, il faudra que vous veniez effectuer 9 burpees suivis de 21 air squats. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous prendre entre 1 minute et 1 minute 30. Donc à chaque fois, vous aurez entre 1 minute 30 et 2 minutes pour repartir sur la course à pied. Il faut au moins que vous ayez ça. Si vous n'avez pas ça, vous réduisez vos répétitions sur les burpees et sur les air squats. Donc là, vous allez partir sur un 5 km ou sur 6000 mètres de row. Voilà, il y a un cap time aujourd'hui de 40 minutes pour bien rester dans les intentions de l'entraînement. On va pas aller chercher plus long. C'est un entraînement qui va durer 30 minutes plus, voire plus pour certains. Mais essayez de partir sur 40 minutes d'effort. Si on n'est pas à l'aise sur la course à pied, voilà, c'est quelque chose où on galère un petit peu. C'est pas grave. Vous courez, vous marchez et dites-vous que toutes les 3 minutes, hop, on fait des burpees et des air squats. Voilà pour ça. Je vous souhaite un très bon entraînement et j'enchaîne sur le body armor que je vais vous expliquer tout de suite. Mouvement sur l'entraînement, vous burpees, bien. Hop, poitrine au sol, je reviens, le petit saut. Et les air squats, c'est bien renvoyer les fessiers, hanches en arrière, engager les abdos. On va chercher à casser la parallèle. Voilà. Pensez bien aux tips là-dessus. On réduit les mouvements si on n'a pas au moins 1 minute 30 à 2 minutes de pouce derrière. Allez, bon entraînement. Donc aujourd'hui, pour le body armor, on va partir sur 50. 40, 30, 20, 10 de Holo Ropes. Donc Holo Ropes, un petit rappel, hop. On va venir s'allonger ici sur le dos, bien décoller les omoplates. Les bras tendus derrière, point de pied vers l'avant. Hop. 50 mouvements de Holo Ropes. Petit balancier. Si cette position est trop dure, on va mettre les mains le long des cuisses, toujours en décollant nos pattes. Et la même chose. Si ça c'est encore trop dur, on viendra ramener les genoux au-dessus des hanches, toujours en gardant omoplates resserrées. Hop, et la même chose. D'accord? Donc 50, 40, 30, 20, 10. Entre chaque set de home rock, entre chaque set, on ira faire des dumbbell row, d'accord? Du tirage, mais en position de pompe, de push-up, c'est-à-dire 10 de chaque côté, position de pompe, ici, le poids sous les épaules, et je viens tirer, bras qui revient bien en extension complète, je ramène le poids à l'épaule et je reviens. Je garde bien mon guidage et je fais 10 mouvements de chaque côté, ou alors sur les genoux, la même chose. 50, 40, 30, 20, 10 entre chaque set de Holo Ropes, vous faites 20 dumbbell rows en tirage, 10 de chaque côté. Bon entraînement!